nous vous présentons la nouvelle jauge de rayon Nalresa, l'instrument indispensable pour obtenir une courbe de qualité. Cette jauge de haute précision est fournie avec son manuel d'utilisation et une mallette en acier inoxydable résistante au choc. La mallette comprend la jauge, un arc de 100 mm, un arc de 200 mm et un arc de 300 mm, en plus des clés pour pouvoir la fermer. La jauge de rayon est livrée avec une pile au lithium. Pour l'utiliser, commencez par retirer le couvercle supérieur, puis placez la pile dans la bonne position, comme indiqué sur les images. L'arc de 100 mm est utilisé pour des rayons de 55 à 625 mm ou de 2 à 25 pouces. L'arc de 100 est pour des rayons compris entre 125 et 2500 mm ou entre 5 et 99 pouces. L'arc 300 mesurera des rayons entre 475 et 11 250 mm ou entre 18 et 443 pouces. Une fois l'arc approprié choisi, insérez la jauge dans l'orifice, puis fixez-la. Mettez en marche la jauge. Pour l'étalonner, indiquez d'abord l'arc que vous souhaitez utiliser. Le bouton C permet de sélectionner l'arc à placer dans la jauge. Dans ce cas, ce sera l'arc de 100 mm. La deuxième étape de l'étalonnage consiste à la remise à zéro. Posez la jauge sur une surface totalement plate, puis appuyez sur le bouton 0. La jauge est prête. Pour mesurer des courbes supérieures à 625 mm, changez l'arc de la même manière. Placez la jauge dans l'orifice, puis fixez-la. Procédez au nouvel étalonnage. Choisissez l'arc de 200 mm, puis graduez à 0. Pour passer instantanément des millimètres au pouce, appuyez sur le bouton central. Si vous souhaitez mesurer des courbes supérieures à 2500 mm, remplacez l'arc par celui de 300 mm et étalonnez-le. La jauge de rayon indique à tout moment si vous mesurez le rayon externe ou le rayon interne selon les dénominations R1 et R2 situées en haut à gauche de l'écran. Si la lecture de la jauge se révèle être compliquée ou difficile d'accès, vous pouvez conserver les données en appuyant sur le bouton Hold, rétention des données. Contrairement à d'autres palpeurs, sa longue course permet de mesurer tous les types de courbes, dans différents profils, avec une précision maximale. La profondeur ou le déplacement linéaire du palpeur apparaît à tout moment en bas de l'écran. Il n'est donc pas nécessaire de dessiner et de couper des modèles de courbes encombrants et peu précis. Vous pouvez mesurer le tube dès le début de la courbe, sans avoir à le retirer de la machine, et ainsi ajuster les rouleaux pour obtenir le rayon souhaité.
Si vous utilisez des machines CNC, telles que la MC650, il est indispensable de pouvoir mesurer les arcs avec un maximum de précision afin d'appliquer les corrections pertinentes. Indiquez les 426 degrés dans la correction et refaites une nouvelle pièce. Une fois les corrections effectuées, vous avez réussi à terminer la pièce avec succès. La jauge a un autre avantage, celui de sa grande précision, même avec de très grands rayons. Il est important que la surface du tube ou du profilé que vous allez mesurer soit lisse, sinon la jauge ne donnera pas une lecture exacte. Il est également essentiel d'aligner parfaitement l'arc avec la surface du profilé. Nalresa vous remercie de continuer à faire confiance en sa marque.